Bonjour! Bonjour! Pourquoi t'as appelé ta chaîne Elvenor? C'est un personnage de jeu de rôle grandeur nature, et c'est un ami à moi en fait qui dirigeait cette association-là, qui est décédé malheureusement il y a quelques années de ça. Et en fait, j'ai gardé ce nom-là pour me souvenir de lui. Mais c'est pas un truc connu, en fait. C'est absolument pas connu. On se déguisait en chevalier, on allait jouer dans la forêt, quoi. Et personne n'arrive à le dire. Donc, Eric de l'atelier Elvenor est venu à la maison et on va tourner. Tu es un grand débutant, en fait. Voilà. T'as jamais tourné? Jamais. Bon, eh ben, tu vas te tourner un maillet. On va utiliser ces gros morceaux de chêne. Alors... C'est vraiment pas facile à tourner le chêne, hein. Ça fait plein d'arrachements. Tu vas voir, c'est pas facile, mais c'est un bon exercice. Et si jamais tu rates, ce sera de ma faute. D'accord. Mais tu vas pas rater. Allez, on y go. On est parti. Tout simplement, avec un réglet, tu vas déterminer les centres. L'avantage d'utiliser ça, c'est que tu peux le faire aussi sur un truc rond. Ouais. Il ne faut normalement jamais utiliser ça pour faire l'empreinte. En revanche... Moi, j'ai acheté ça, mais ça n'a pas la même empreinte. Ça n'a l'empreinte d'aucun autre. C'est cool. Alors, c'est nul. À part la pointe, en fait, les dents vont pas se mettre au même endroit. Donc, en réalité, tu le fais quand même. Exactement. Tu fais, en fait, celui-là pour déterminer, pour le mettre sur ta poupée mobile. Faut pas l'utiliser parce que tu vas le déformer en tapant dessus. Ouais, ouais. Si tu utilises, en fait, ça existe des marteaux en laiton. Tu vas... pas vraiment le déformer. Mais tu vois, en réalité, il faut vraiment qu'elle soit plantée. Parce que si c'est pas bien planté, ou pas suffisamment, dès que ça va venir, ton outil va... Tu risques de planter, hein, toi. Moi, oui, non, bien sûr. Je doute pas une seconde de ce qui va arriver, de toute façon. Enfin, ouais, ça arrive tout le temps, en fait, de planter, et de... Surtout au début, quand c'est carré, ouais, et que c'est pas encore rond. Si t'attaques de trop, ouais, tu vas te planter. Et ça, si les griffes sont pas suffisamment rentrées, et ben ça va découper un rond, et t'auras aucune prise. D'accord. Voilà. Et après, t'auras beau serrer derrière, ça fera toujours un problème. Recule bien. Voilà, parce qu'il lui faut de la place. Et vise en poussant, hein, si t'as besoin. Attends, je peux... Du moment que les petites griffes sont enfoncées. Là, je suis dedans. C'est bon. C'est vrai qu'on est un peu dans le noir quand même, mais... Ok. Alors toi, malheureusement, t'as un tout petit porte-outil. Et donc là, il faut desserrer et il faut... Et il faut resserrer après là. Serrer, ouais. Pour que ça vienne bien se planter à l'intérieur. C'est bien ça. Et tu vois, t'as pas assez poussé parce que ça bouge. Il faut vraiment bien le coincer parce que sinon, quand tu pousses... Ouais, tu recules la pupille. C'est ça. Et maintenant, on serre ici. Pour pas que ça reparte dans l'autre sens. Tu vas te rapprocher ton porte-outil, pardon, le plus du décoin. Maximum. Ouais, c'est ça. Et en faisant tourner pour t'assurer que... Que je touche nulle part. Tu touches nulle part. Exactement. Je peux encore me rapprocher ou... Pas encore. Pas tout de suite. D'accord. On va le fixer un peu et là, on va surtout le monter. D'accord. On va le monter un peu moins. Ouais, tu vois, du coup, tu te rapproches. On va dire que là, c'est à peu près bon. Donc, tu vas le serrer. Attends, parce que là, je... C'est là, bon non, là, je tape. Ouais, d'accord. Bah, recule, alors. Ouais. Et mets-toi bien droit. On n'est pas au millimètre près, de toute façon. On va commencer avec la gouge à dégrossir. En fait, ce qu'il faut, en gros, pour régler, mais après, avec le temps, tu règles comme tu préfères, ce niveau-là soit à la hauteur de l'entrepointe, tu vois. D'accord, donc ça normalement... Sur l'axe. Donc là, c'est beaucoup trop... Non. Quand t'es comme ça, voilà. En gros, comme ça. Et donc, En fait, je suis pas mal. Faut que tu... Je suis peut-être encore un peu bas, mais... T'es bas. Ouais, je suis bas. Faut que tu remontes d'un bon 2 cm quand même. Là, on est pas mal, mais par contre, il va falloir que je... T'es un peu bas, mais c'est pas grave. Je suis encore bas, là ? Là, il va falloir que tu le fasses progressivement parce que ta longueur de porte-outil n'est pas bonne. D'accord. Donc, tu vas te positionner largement au-delà. Ok. Tu vois, parce qu'il faut que ton outil reste toujours bien et pas sur le coin. Hein, et si ça s'échappe, ça peut être dangereux. Et tu vas commencer par travailler cette partie-là. Tu vas, disons, travailler jusque-là. Parce qu'après, ça va te gêner, tu vas te décaler. Et après, tu vas pas, du premier coup... arriver à un cylindre, tu vois, tu vas le faire progressivement. Si tu avais un grand porte-outil, ça te pourrait me promener en seul. Voilà, c'est ça. Ok, j'aurais pas besoin de déplacer. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs porte-outils, en fait, en fonction de ce que tu as besoin de faire.
Ça, t'as pas besoin de t'embêter. Là, je vais t'apprendre un truc essentiel. Le talonnage. Le talonnage. Le talonnage, ça consiste en fait à faire reposer ton biseau sur le bois. D'accord. Quand tu coupes. Pour talonner correctement, ce que tu fais, c'est que tu positionnes d'abord ton outil de façon à ce qu'il ne coupe pas, et ensuite tu le penches légèrement et il va juste couper, affleurer en fait. D'accord. Si tu te mets comme ça, tu vas pas talonner, donc tu vas pas avoir ce biseau contre le bois, ce qui va faire que tu vas faire de l'arrachement. D'accord. Tu vois, c'est le secret, il est dans le talonnage. Si ça talonne, ça n'arrache pas. Si ça talonne pas, t'arraches. D'accord. Et tu fais des gros trous. Alors, tu vas me dire, c'est pas fastoche quand c'est carré. Et je dois le dire. C'est pas fastoche quand c'est carré. Et ben, et ben c'est ça, au début, en fait, il faut que tu te repères de façon à pas... À casser les coins d'abord. Non, tu casses même pas les coins, justement. Tu te mets de façon à ce que ça ne coupe pas, mais ça touche. D'accord. Et puis, en fait, après, tu vas juste incliner très légèrement et ça va commencer à couper. D'accord. Et en réalité, c'est mieux de pas commencer par là parce que il faut commencer par l'autre bout. Parce qu'en fait, c'est plus facile comme on est... T'es droitier ? Droitier. Ouais. Comme on est droitier, en fait, cet outil-là, tu vas juste t'en servir en poussant. Tu vois ? Là, je talonne. D'accord. Là, je coupe pas. Là, je coupe. Et en fait... Voilà. Ça s'utilise comme ça. Et c'est vers l'extérieur. Il faut que tu cet outil-là, ouais. C'est pas, tu fais pas comme ça, en fait. D'accord. Tu pousses au fur et à mesure. Voilà. Une fois que t'es... Tu as fait ça, voire un peu plus. Tu peux aller plus loin. Voilà. Ok. Jusqu'à obtenir donc ton cylindre. D'accord. Et une fois que tu as obtenu ton cylindre, tu peux continuer à te servir un peu de la gouge à dégrossir. D'accord. Mais tu vas faire toujours des petites passes. Tu vas jamais creuser comme avec une gouge à creuser parce que c'est pas fait pour. Voilà. D'accord. Mais tu peux redresser, donner des légères courbes, voilà, si tu as envie, parce que cet outil ne sert qu'à faire ça. Mets ton masque, mets tes protections. On est entre pointes. Ça risque pas de te sauter la figure, mais par quand contre, même. Je voyais des projections dans la poire. Et ben, on essaye alors. Allez. Je suis petit joueur là. Ah, vas-y, prends ton temps. Hein. C'est le contour que tu vois ici quand il tourne. Ouais. Qui donne aussi ta régularité, qui te montre si tu pars comme ça ou si t'es... Même pour que tu te rendes bien compte de la forme, il faut pas que tu regardes là où tu es en train de tourner, mais plutôt... Sur le dessus, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Eh ben moi je trouve que c'est plutôt pas mal ce que tu as fait, hein. Merci. Le chêne, c'est extrêmement poreux. Celui-là, il est particulièrement sec. Et c'est très facile de faire plein d'arrachements, en fait. Donc, si tu avais travaillé d'autres essences plus compactes, eh ben, ça aurait été tout lisse. D'accord. Bon, là, on voit donc tes belles dents, là. Ouais. Peut pas être bon partout. On va reprendre le crayon et on va délimiter les endroits. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux partir par la poignée. D'accord. Après, la tête, si elle est plus ou moins grande, c'est pas bien grave. On est d'accord ? Vas-y, ouais, mets ta main. Toc. Un peu plus avancé, parce que tu vois, en ouais, réalité... Il est parti, ouais. Ouais, ça, c'est pas droit, donc il faut d'accord. toujours laisser une petite marge. Ok. Bon, là, c'est peut-être un peu trop, recule un peu. On la commencera à peu près de là. Ça marche. En gros. Et puis... Et puis il faut au moins laisser ça. Ça comme tête c'est plutôt pas mal. En laissant aussi ouais. ici une marge. Ok. On va les retracer. On va en tourner le... C'est ça. Donc le premier il était là. Le deuxième on le voit il est par là. Après je vois plus. J'ai juste besoin d'avoir le vrai repère. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir le...
le porte-outil. Et puis en gros, ouais, faut s'arrêter là. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire comme, comme forme ici, un peu conique comme ça, légèrement? Ouais. Puis après ici, on arrondit. On arrondira le... légèrement. Ou alors on peut faire un angle, hein. Comme ça, là. En fonction du temps. Ouais. Ou est-ce qu'on... Voilà. Quand on en sera là, on verra. Voilà, c'est ça. Et donc là, il faut bien, bien creuser. D'accord. Hein. Les fibres sont dans le bon sens, elles risquent pas de casser. D'accord. Tu vois, elles sont vraiment tout du long. Donc c'est une bonne chose. Il vaut mieux commencer par une forme grosse. Et puis affiner ensuite que c'est vouloir ça. Taper dans le fin tout de suite et se retrouver... C'est bah... ça, tu peux pas en rajouter. Tu peux en enlever, ça se recolle pas, ouais. Mais pas en rajouter. Je te conseille de faire la forme que tu as envie de lui donner, de jouer avec. D'accord. Tu creuses. En creusant au fur et à mesure, de toute façon, tu vas te faire à l'outil. Mm-hmm. Tu découvres l'outil. Tu t'en profites pour faire une forme. Elle te va. Non, t'en essayes une autre. Voilà. Et voilà. Et au fur et à mesure, tu creuses. Et vers la fin, faudra te décider. Ça marche. Bon, maintenant, tu vas attaquer avec cet outil-là, une bouche à creuser. Ah, ouais. Fais gaffe, hein, avec la poignée. Faut pas qu'elle gêne. C'est toi, en fait, qui va positionner, qui va te mettre comme ça t'arrange par rapport au talonnement. Et donc, là, en fait, si tu veux limiter l'arrachement, c'est pas trop comme ça qu'il faut se positionner. C'est plutôt comme ça, en fait. D'accord. Et encore une fois, ici, pour faire une belle coupe, c'est une question de vitesse également. Donc maintenant qu'elle est bien ronde... Ah, tu tournais déjà assez vite, hein, t'étais à 900 tours par minute. Maintenant qu'elle est ronde, elle n'est plus du tout déséquilibrée. On va pouvoir monter. Allez. Là, on est presque à 1200. Tu vois ? Là, tu talonnes. On voit toujours, en fait, le... Comment dire ? Les pores du bois. Bien hein. sûr. Mais là, c'est plus arraché, c'est lisse. Tu vois ? Effectivement, tu sens une différence de... Et aussi, comme tu vas plus vite, tu vois pas les vagues. Bon, je sais pas si on voit mieux là, mais ici c'est. Voilà. C'est pas pareil! D'accord! Ce que tu vas faire là, c'est que tu vas faire des creux mm-hmm. et des bosses également. Tu vas enlever progressivement de la matière. Donc il faut lever l'outil et puis tu vas le pencher en fait sur le côté. Pour les arrondis. C'est, il faut suivre en fait. Ouais, ouais c'est ça. Il faut le tourner et quand même le lever. Le lever quand t'es au bout de l'arrondi. Là, tu fais un creux. Et l'arrondi. Oups. Tu vois là, t'arrondis. Et le creux, tu le fais que comme ça. Ouais. Quand t'as arrondi, tu vois, tu fais hop, que tu fasses tourner, quoi, et tu soulèves. Tu vas travailler toute cette partie-là, donc amuse-toi à faire des creux, des ronds, des ce que tu veux, en essayant de rendre plat au bout d'un moment, quoi. Essaye toutes les figures de style. Ça marche. T'as de quoi t'entraîner, hein, parce que là, en fait, tu t'es en train de passer de... On est à combien de... On est à 10 cm de diamètre et on va ouais. passer à 3... À 3, ouais, donc j'ai quoi faire. Ouais, voilà. Ça va, t'as quand même été très rapide, mais... Le truc là, tu vois, c'est que tu coupes pas, t'arraches. Tout simplement, c'est le talonnement qui... Talonnement qui peut manger ouais, un tac trop, ouais, voilà, trop frontal. C'est trop comme ça. En même temps, regarde, t'as vu si là, tu peux pas faire autrement que d'attaquer en frontal. Ton porte-outil, il est trop haut. D'accord. Et puis... Et dis donc, il est vachement bien serré. Là, pour attaquer, là, il faudrait que tu te mettes... plus près. Ok. Parce que tu vois là, je sens bien qu'il y a ça vibre. Il faut rattraper la vibration
S'il y a de la vibration, ça veut dire que c'est pas lisse. Si ça ballotte, c'est parce que tu vois, t'as tous ces petits creux là causés par l'arrachement. D'accord. En fait, il va falloir les enlever. Et il faut d'abord que tu... C'est parce que t'étais pas à la bonne hauteur. Donc là, si tu veux travailler là, il faut te baisser légèrement, peut-être à 0,5 cm. Mais là, comme le diamètre est plus grand, on est à la bonne hauteur. Tu vas te tenir comme ça en biais et l'attaquer... de cette façon-là. La vitesse est bonne, hein, sur l'arête, pour éviter, parce que là, ça peut, la pointe pourrait prendre et partir sur le côté. Tu mets ton pouce pour faire buter, en fait. D'accord. Si ton porte-outil est loin, et ben le pivot, le point de contact, il est loin également, tu vois. D'accord. Donc ça fait plus de vibrations. Faut que je rapproche le porte-outil au maximum à chaque fois, quoi. Exactement. Plus tu es proche, plus ta coupe va être propre. Donc même si tu veux, pour être plus confortable, tu peux encore rapprocher comme ça, tu vois. Et là, je vibre toujours parce que je sais qu'il y a encore un petit arrachement. Tu vois, il y a ce petit arrachement qui est embêtant. Pour rattraper quelque chose, enlever les vibrations, etc. Le secret, c'est d'y aller doucement, en fait. Voilà, tu sens des vibrations. Mais si tu continues, ton biseau, en fait, il va être supporté par un truc qui va le faire sauter. D'accord. Donc, il faut pas laisser passer la vibration. Il faut, tant qu'il y a de la vibration... Il faut rester au même endroit. Ouais, c'est ça. Avant d'aller plus loin. Et puis tu cherches, en fait. Même si je t'ai dit que la bonne position elle est comme ça, si toi tu vois que tu arrives à mieux couper. Moi je suis pas encore une pro de c'est comme ça précisément qu'il faut positionner. Donc en fait. Il faut chercher quelle est pour toi à ce moment-là la meilleure position. Comme on est en bois debout là, si tu veux faire tout disparaître, c'est maintenant qu'il faut le faire disparaître, parce que en ponçant ça va durer extrêmement longtemps, et enlever des creux dans le ponçage c'est beaucoup de boulot, quoi. Si tu le mets comme ça, tu vois, ici tu t'en sers comme un racloir. D'accord. Alors ça brille moins, la coupe va être moins belle, mais tu vas pas avoir de l'arrachement comme tu l'as fait tout à l'heure. En revanche, c'est le meilleur moyen pour enlever toutes les traces. Ouais, c'est ça. Comme un racloir, quelque chose de lisse. Et ensuite, quand tu as quelque chose de lisse, tu fais une passe pour bien nettoyer et que ce soit brillant comme tout à l'heure. On va s'arrêter là. On s'arrête là ? Ok. Ouais, moi je trouve que c'est vachement bien. Il n'y a pas d'arrachement ou très très peu. Mais là, tu vois, il y a un nœud. Donc franchement, tu n'aurais pas fait de l'arrachement. Voilà, et là aussi, c'est pas facile, hein, en bois debout. Mais voilà, tu as surtout des traces d'outils. Donc on va poncer. T'as des grosses traces d'outils, t'as un peu d'arrachement là, mais c'était plus tout à l'heure. Cette partie-là, c'était la gouge à dégrossir. Ouais, c'est... parce que j'ai bien vu, t'as pas. Donc en fait. Essaie d'aller jusqu'au maximum ici en pointe. D'accord. Ici aussi. Okay. Et ensuite, on va attaquer le ponçage avec un gros grain. Enfin, ça, c'est du sang, hein. C'est pas non plus du gros grain. D'accord. Et puis après, tu vas voir qu'on va avoir une surface complètement lisse. C'est beaucoup plus facile, en fait, en ponçant quand on est débutant. Là, tu as des grosses traces d'outils. Ça, justement, tu vas bien te concentrer ici plus longtemps que ailleurs. D'accord. Et en fait, tu vas vraiment tout redresser, tu vas avoir une surface parfaitement lisse. Tu peux aussi continuer à travailler tes formes en ponçant. Je dis ça, ouais, c'est pour les finir, débutants. Voilà, ouais, voilà. Mais d'ailleurs, si tu dois trop poncer et que tu fais plein de petites formes, ça va être difficile d'aller entre. D'accord. Et tu vas les effacer, tes formes, en fait. Non, mais on va rester dans le simple. Mais de toute façon, avec le chêne, c'est très compliqué de faire plein de petites formes. Tu fais beaucoup d'arrachement. Il a fallu vraiment j'y aille tout doucement, ne serait-ce que pour faire déjà des arrondis comme ça, quoi. Non, mais c'est bien, hein. C'est vraiment bien. Merci. Puis tu vois, t'as réussi à enlever encore un petit peu. Mais regarde, tu vois, c'est pas dans n'importe quel moment, hein, du fil. C'est quand même difficile de pas l'arracher, parce que tu dois passer en dessous. En revanche, tout le reste, tu vois, c'est bien lisse, hein. Ok. Ouais, c'est bien. Merci. Bravo. Merci. Vous êtes doué, vous pouvez revenir.
la difficulté à faire l'arrondi du bout et tu t'en sors plutôt bien. Merci. Donc on va pouvoir après poncer pour enlever un maximum ce... Ça va rester plat. D'accord. Et là, on va garder l'arrondi qui est très bien. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout de suite utiliser cette gouge de ponçage avec du grain 120. On va plutôt prendre du grain 100. D'accord. Sans la gouge, ça va faire des griffures, des traits, en fait. Okay. Parce que le grain, même si tu bouges, ça fait toujours ouais, ça va des toujours traces. Faire des stries, ouais. Mais en fait, on va bien tout redresser. Tu vas lui donner une belle forme harmonieuse. D'accord. Et ensuite, on va passer on le va grain. Finir avec ça. Non, on va faire d'autres passes. Hein. Ça, c'est du grain 120, donc on va enlever toutes les traces. Même ça tombe très bien que tu aies fait des traces, on va vraiment bien tout enlever. Mm-hmm. En revanche, ici, sur les courbures, on va pas pouvoir l'utiliser. Il faudra le faire à la main. D'accord. Et dans les petits creux comme ça. Évite de rester trop longtemps. Si tu vises un endroit, faut bouger un peu. Parce que sinon, tu vas vraiment accentuer les traces. Okay. Travaille par en dessous ou par au-dessus ? Par en dessous, c'est mieux. Parce que par au-dessus, tu vas avoir ouais, la main qui va venir. Et ben, c'est parti ! Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il faut poncer très lentement. Il faut aller le plus lentement possible. Donc, celui-là, sur ce tour, tu vas. Voilà, 720, il faudrait même aller plus lentement, tu vois, moi je suis à 400 tours minute. Mais tu peux pas aller plus bas. Donc il faut toujours, parce que sinon ça chauffe, d'accord. C'est mieux. Tu veux lui faire quoi comme finition ? C'est une très bonne question. On va rester sur quelque chose de très simple, je pense. Hein. C'est peut-être pas mal avec le chêne, parce que c'est très poreux, c'est de mettre de la cire ouais. Et de poncer avec la cire. D'accord, pour lui donner un up. Parce qu'en fait, ça va boucher les pores. Comme tu vas mettre de la cire, tu vas poncer en même temps. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire de la poussière. Et la poussière, elle va... S'agglomérer à la cire et venir reboucher tous les pores. Exactement. On peut faire ça. Je vais mettre un peu de... Vas-y. D'alcool pour relever le grain. Okay. Et tu vas voir, ton ponçage va être plus efficace, même si tu gardes toujours le même grain. Donc là, un petit coup de bouche à poncer pour enlever toutes les traces. Bon, et ben maintenant, on va finir à la cire. La voilà, un petit peu de cire. D'accord. Tu trempes dedans, t'en mets pas mal. Hein. Ouais, tu l'étales soit avec ton truc. Oh ouais, mais c'est mieux en tournant. Le premier truc à faire, c'est étaler la cire. Et d'accord. Puis ensuite, tu vas poncer la cire plus la poussière. Ça va venir remplir tous ces petits creux qu'il y a, les nœuds, etc. Et toujours ouais, sur une vitesse lente. Hein, ouais, toujours sur une vitesse lente. Ok. Là, voilà. Oui, voilà. Ça... un lancer de cire. Et une fois que tu l'as bien étalé, en fait, il ne faut pas hésiter à appuyer pour poncer, quoi, en fait. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est que de la cire. Et vraiment, ça va faire une pâte assez épaisse. D'ailleurs, on la voit un petit peu, là, déjà. C'est plus que de la cire. Hein. Y a déjà pas mal de poussière avec. Ça fait de la pâte à bois, en fait. On va l'essuyer un peu. Il faut polir, là. Donc, il faut utiliser un sopalin et surtout pas du tissu pour éviter de s'arracher un doigt. C'est préférable. Et donc là, tu vas le faire tourner. Okay. Et tu vas le faire tourner. Et je frotte. Entendu, c'est parti. Pareil. Elle est bien, hein. Non, il est chouette. Je suis sûr que tu vas pas vouloir l'utiliser. Non, je vais pas taper avec, au final. Celui-là, c'est même pas dans l'atelier qu'il va être, il va être dans le salon. Ça, c'est du grain 80. D'accord. J'ai fait ce tenon tout simple. Hein. Il suffit de faire un tenon, une plateforme bien plane. Mettre du scratch, du velcro dessus pour enlever ces petites marques. Mmh. Avec le 80, ça va le faire. Hein. Ouais. Va falloir attendre un petit peu parce que là, quand même... Je pense que les petites dents, tu vas pouvoir les enlever sans trop de problèmes. Mais si tu veux faire disparaître le petit creux, il va falloir poncer quand même pas mal. Mmh. Là, j'ai un peu de boulot. Ouais, là, un peu, mais ça va aller quand même assez vite. Ouais. C'est pas si évident que ça, en fait. Hein. Il faut faire attention parce que tu vas avoir tendance, en fait, à pas garder l'angle bien droit, même si tu fais gaffe. Donc, il faut regarder de temps en temps, redresser et éventuellement faire tourner la pièce pour être sûr d'avoir une forme plane et pas trop oblique. Mais bon, là-dessus, ce serait pas non plus la mort, quoi. Ils sont très beaux. Franchement, j'en avais jamais fait d'aussi gros comme ça, massif. Mmh.
Il a vraiment pas besoin de plomb ou de quoi que ce soit pour lui rajouter du poids. Mais le bois lui-même, il était bien lourd déjà. Il était déjà bien lourd, ouais. Et là, le résultat est vraiment très très bien. Hein. Non, je suis super content aussi. Mais tu t'en sors vachement bien pour une première fois. Moi, la première fois que j'ai tourné, j'ai pas réussi un truc pareil. Hein. Bon, ça c'est le mien. Et là, on voit que la cire a bien rempli. C'est plutôt pas mal, hein, la cire poncée. Ça remplit tous les petits défauts. Voilà. Oh. Oh. Attends, montre bien là, c'est joli. Oh. Hop-la. Il est pas. Eh, on voit pas trop la différence hein, entre le maître et l'élève. J'ai été bien formé. Ouais, c'est ça. Belle réussite en tout cas. Ouais. Bravo. Merci. Je te remercie Sylvie parce que franchement, tu m'as appris beaucoup aujourd'hui et c'est super. Tu es mon premier élève. Cool. La prochaine, ce sera Mariette. Mariette de Copo & Co. Je vais recevoir des gens dans mon atelier et je vais les initier au tournage. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne d'Eric, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Allez voir ses vidéos, elles sont très très bien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.